Bonjour, nous sommes à Berlin, nous sommes à l'IFA et nous sommes sur le stand d'une marque qui est chez elle ici, puisqu'elle est allemande et cette marque c'est Miele. Nous sommes avec Laetitia Champion, chef de groupe marketing chez Miele France. Laetitia, bonjour. Bonjour. Alors beaucoup de nouveautés chez Miele, on en a sélectionné quelques-unes et on va commencer par une gamme de produits où Miele était présent. Vous verrez, Miele était discret sur le sujet. Cette gamme, c'est le froid. Alors, parlez-nous de cette gamme de froid que vous proposez ici à Berlin. Alors, effectivement, Miele va revenir en force sur le froid combiné. On a ici une exclusivité avec l'édition Blackboard. On est parti de la vie des consommateurs. Aujourd'hui, le consommateur, souvent, se laisse des petits messages sur le froid. Et on a donc développé un froid combiné avec un verre satiné vous permettant d'écrire à la craie des petits messages à votre famille, des petits mémos, etc. Comme un tableau noir d'école, d'où la traduction de Blackboard. Exactement. C'est ça. Et on exactement. Voit les graffitis, d'ailleurs, la mise en scène. Et voilà, et on a Miele, on a le cœur qui est là. Et si vous l'ouvrez, vous voyez que c'est un vrai froid combiné. Alors, Laetitia, on a vu ce produit spécifique, mais vous allez sortir une gamme complète. Cette gamme a-t-elle un nom? Et quand sortira-t-elle? Et vous êtes Miele à quel prix? Alors effectivement, on lance une toute nouvelle gamme. Donc les prix iront de 749 euros pour l'accessibilité à 3000 euros pour les produits plus prestigieux, avec de nombreuses exclusivités qu'on ne trouvera que chez Miele. Les exclusivités que je vais vous présenter maintenant. Eh bien Laetitia, allons-y. Alors Laetitia, nous venons de quitter la série K20000, qui est donc la série des réfrigérateurs qui sortira au printemps 2016. Et on arrive dans un autre type de conservation. Et là, on va parler sous vide. Exactement. Donc, je vous présente un tiroir de mise sous vide, donc qui est encastrable, qui est indépendant. On va idéalement le combiner avec un four vapeur. Il va vous permettre de mettre votre nourriture sous vide de façon à la conserver plus longtemps, de façon à garder tous les arômes des aliments. Si vous utilisez une marinade, par exemple, les aliments auront plus d'arômes. Vous allez pouvoir aussi portionner pour ensuite pouvoir cuire à basse température à la vapeur. Parfait. Alors ce tiroir, vous allez le sortir quand et vous allez le sortir à quel prix? Alors ce tiroir, on va le sortir en mars 2016 et il coûtera 2200 euros. D'accord. Alors Laetitia, on va refermer ce tiroir. Nous avons vu la conservation et maintenant direction la cuisson. Alors Laetitia, on va parler maintenant cuisson. Alors, on va parler table à induction. Jusqu'ici, rien d'original. On va parler maintenant de Temp Control et c'est là que l'originalité arrive. Alors c'est quoi, Laetitia, Temp Control? Aujourd'hui, en fait, quand on veut saisir quelque chose, on sélectionne une puissance et la température à la casserole continue de monter. Avec Temp Control, vous avez un capteur qui va mesurer la température sous la casserole ou la poêle et qui va faire en sorte qu'elle reste constante. L'avantage de ça, c'est que vous n'allez jamais brûler quoi que ce soit et vous n'aurez pas besoin d'intervenir pour régler la puissance. Donc on peut utiliser Temp Control pour saisir, pour que la poêle soit aussi déjà chaude, mais il y a une différence entre un œuf et un steak, par exemple. Alors, exactement. Alors vous avez trois modes de saisie, un doux, médium et puis plus fort. Et par exemple, le doux, ce sera plutôt pour cuire un œuf. Le fort, ce sera plutôt pour faire des crêpes. Et en fait, la température sera toujours à 220 degrés pour le fort, mais de façon régulière. Donc les crêpes seront toujours réussies de la même façon. Et pour la viande, ce sera 3, j'imagine. Exactement. Question, évidemment, le capteur, il est intégré à la table. Exactement. On change sa casserolerie, on change ses poêles, on change... Non, on change rien. On ne change rien, c'est intégré à la table et ça fonctionne avec tous les types de casseroles à induction. D'accord, et cette gamme, en fait, elle sera complète, Laetitia? Alors oui. Et elle sortira quand et dans quelle tranche de prix? Alors, elle va sortir en avril 2016. Mm-hmm. On aura 4 modèles avec des encastrements différents de 70 à 90 cm. Et elle sera de 2000 à 2400 euros. Alors Laetitia, maintenant, pour finir, on va prendre un café avec une nouvelle machine qui va sortir, elle non pas au printemps, mais là, en octobre, c'est la C7. Alors la C7 de Miele, qu'est-ce qu'elle a de plus que la C6? Alors on va dire, pour synthétiser, qu'elle a deux choses importantes. Elle va vous permettre de faire 16 spécialités de café et 4 de thé, avec à chaque fois le réglage de la mouture du grain ou la température de l'eau, la quantité de l'eau.
et elle a aussi un détartrage tout automatique. Vous n'avez aucune intervention à faire. Pendant la nuit, elle va fonctionner et la cartouche se change seulement une fois par an. D'accord. Et donc là, elle est en octobre, elle sera à un prix, et je précise, c'est la CM7, bien sûr, et pas la C7. Elle sortira à un prix de 2 400 euros. 2 400 euros, voilà. On a fait un peu le tour des nouveautés, il y en a d'autres, mais on se verra au fil des semaines, au fil des mois, en France, pour les découvrir plus en profondeur. Laetitia, merci beaucoup. Au revoir.